La Fondation des Canadiens pour l'enfance s'est donnée comme mission d'aider les jeunes de milieux plus vulnérables à être physiquement actifs et adopter des saines habitudes de vie. Malheureusement, nos jeunes ne sont pas suffisamment actifs, alors on a décidé de mettre nos efforts et d'offrir à ces jeunes-là des outils pour qu'ils puissent bouger. Bleu, blanc, bouge! Yeah! Bon, on est à la patinoire Bleu, blanc, bouge de Ville-la-Salle. On va faire des ateliers d'hockey-ball pendant les 6 prochaines semaines. L'accès au programme de la Fondation, c'est vraiment très pratique parce qu'à l'école Pierre-Rémy, c'est un milieu un peu plus défavorisé. C'est tout nouveau pour eux. Ils découvrent. Là, c'est vraiment de la découverte. Puis c'est le sourire puis l'éblouissement dans leurs yeux de dire « Wow, t'sais, on a une patinoire pour nous ». L'objectif du programme Bleu Blanc Rouge Hockey Ball, c'est d'offrir aux enfants l'opportunité de faire des activités physiques encadrées, de développer les saines habitudes de vie, de développer l'esprit d'équipe et tout ça dans un environnement sécuritaire. Avant de commencer à jouer avec les balles et les bâtons, on va vous parler à chaque fois, on va vous faire une petite discussion sur les saines habitudes de vie. Go! C'est sûr que lorsque les jeunes viennent pour la première journée, on doit enseigner la base. La distance entre mes deux mains sur mon bâton, les pieds sont à la largeur de mes épaules. Puis l'autre main ici. La Fondation des Canadiens pour l'enfance est fière de collaborer avec un partenaire tel que Sun Life, qui croit fermement au bienfait de l'activité physique. C'est sûr que pendant les 6 semaines, peut-être qu'aujourd'hui c'était un petit peu plus difficile parce que c'est la première fois que tu prenais un bâton de hockey. Faut persévérer, faut pas arrêter de travailler à chaque semaine. Ça va payer à la 6e semaine. Le jeune, oui, va découvrir comment manier une balle avec un bâton, mais le jeune va repartir après avec un bagage qui va lui servir à court, moyen et même long terme. C'est vraiment cool qu'on peut être ici à la patinoire. J'ai appris que le hockey, c'est pas juste un jeu. Plus les élèves bougent, plus ils deviennent concentrés, plus ils sont bien en général. Puis nous, en tant qu'enseignants, ça nous permet de faire des liens, de dire, tu sais, en mathématiques, tu pratiques, tu deviens meilleur, tu réinvestis d'une matière à l'autre. Mais c'est la même chose avec le sport. Le programme Bleu Blanc Bouge Hockey Ball, qui est présenté par la Sun Life, nous permet d'avoir des sessions d'automne, d'hiver et de printemps avec des jeunes des écoles qui sont autour et dans nos communautés Bleu Blanc Bouge. C'est sûr qu'on a fait des exercices statiques et puis après, on s'est mis à faire des exercices en mouvement. Et puis, à chaque semaine, bien, on voit une progression chez les jeunes. On lève la tête! On plie les genoux! À 6 semaines, au début, ils se disent « Ah, c'est beaucoup! » Puis après 4 semaines de passé, là, ils voient la fin arriver, puis ah, j'en ferai plus! On passe dans la porte avec le corps, pas juste la balle, le corps aussi! Allez, les amis! Focus! On est capable! Après la dernière séance, à l'école, on reçoit un ensemble complet de hockey-ball, les bâtons, les filets. Ce qui permet aux écoles de développer leur propre programme. Et c'est un peu un transfert d'expertise qu'on fait. Tu crées l'étincelle, tu montres aux jeunes que c'est pas compliqué de bouger et que c'est plaisant. Alors, cette semaine, on va parler de saine alimentation. Lève la main si tu sais ce que ça veut dire. Alors, le programme va au-delà de la patinoire. On introduit à chaque semaine des notions de santé par le biais de cahiers que l'on offre à chaque enfant. Vous allez travailler des choses à chaque semaine. Vous allez avoir des petits exercices à faire. Moi, j'ai beaucoup aimé quand on a fait l'entraînement parce que j'aime bien courir. Pourquoi tu revenais à chaque semaine? J'ai adoré parce qu'on bougeait beaucoup. Est-ce que vous avez aimé le programme de hockey ball? Oui! Un gros merci à la Fondation du Canadien pour tous les projets pour l'accès au hockey ball. Merci! C'est plus de 517 enfants présentement qui garnissent leur coffre à outils pour bouger davantage et bouger mieux. Toujours grâce à Sun Life, le programme, en fond, va pouvoir s'étendre un peu partout au Québec et changer la vie de milliers d'enfants au cours des prochaines années. Youpi!